Alors nous allons, après ces premières interventions, nous allons à la fois changer de registre et en même temps poursuivre dans le même registre. Nous sommes très heureux d'accueillir Aurélien Bélanger, auteur d'un des livres les plus commentés de l'année, si tout le monde ne l'a pas vu, « La théorie de l'information », qui est paru en août 2012 chez Gallimard. Ce livre est un livre, un petit livre, comme vous le voyez, et qui constitue une gageure à plusieurs titres. À la fois, il est publié chez un des plus grands éditeurs littéraires de France, avec une très longue tradition, Gallimard, et en même temps, il s'agit d'un livre qui mêle la vie d'un homme, Pascal Erlanger, et toutes les transformations économiques et technologiques de ces dernières années en France et presque dans le monde. C'est-à-dire depuis la création du Minitel jusqu'à l'évolution d'Internet aujourd'hui. Alors, on ne s'étonnera pas que vous ayez été intéressé par Houellebecq. Et en même temps, à partir de ce livre et autour de ce que vous dites dans différentes interviews, dont d'ailleurs celle avec Rémi Matisse, on peut s'intéresser à plusieurs points. On peut s'intéresser à votre côté autodidacte, on peut s'intéresser à votre définition du roman, à celle de la modernité que vous donnez. À la fois le mélange de création, recréation que vous faites de la vie de Pascal Erlanger et Xavier Niel, au lien entre numérique et écriture, nous sommes en plein là-dedans. Il y a de nombreuses pistes de réflexion. Mais évidemment, notre intérêt, l'intérêt de Wikimedia France pour votre livre, s'il vient de son contenu, certes, pour vous, certes, c'est évidemment un des titres de Libération qui a consacré plusieurs articles, dont deux pleines pages à votre livre. Une des citations qui dit « Si Wikipédia n'existait pas, ce roman n'aurait jamais vu le jour ». Évidemment, cette citation n'est pas tout à fait étrangère à notre envie de vous inviter. Et on vous remercie d'être venu. Et après un certain nombre de questions qui ont été abordées aujourd'hui, vous avez assisté à certaines. C'est à vous de choisir l'angle que vous préférez traiter, qui a peut-être un lien avec le pédagogique, peut-être pas. À vous. Bonsoir. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais j'ai préparé un texte, donc je vais le lire, donc je vais essayer de ne pas être trop ennuyeux. Mais ça traite finalement de toutes ces questions, oui. Je ne vais pas revenir sur l'histoire triomphale du roman, née en même temps que la réforme pour réformer les totalisations religieuses déclinantes, ni sur son histoire économique tout aussi triomphale qui en a fait pendant longtemps la killer application de l'imprimerie et jusqu'à aujourd'hui l'un des produits culturels qui se vend le mieux. Je vais plutôt tenter de raconter ce qui viendra ensuite. Et cette chose, j'ai choisi un peu par provocation de l'appeler Wikipédia. Un critique littéraire cité dans l'article Aurélien Bélanger de l'Encyclopédie coopérative évoque à mon propos l'existence d'un poison Wikipédia. Je reconnais la valeur relative de la pique, mais j'estime pour ma part m'être assez bien mithridatisé. J'ai réussi. Donc je consomme Wikipédia depuis 5 à 10 ans, je ne sais plus exactement. Je ne me souviens pas de mes premiers pas sur Wikipédia. Je ne me souviens pas, par exemple, avoir été sur Wikipédia et avoir constaté, tiens, c'est débile, il n'y a pas l'affiche Victor Hugo, par exemple. Je ne me souviens pas du tout de cette époque. Donc je suis arrivé, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je suis arrivé, c'était quand même relativement bien constitué. Donc voilà, j'ai trouvé peu d'articles manquants. J'en ai trouvé un, parce que c'était le sujet sur lequel je faisais un mémoire de philo à l'époque. C'était le principe d'identité des indiscernables, le principe de Leibniz, selon lequel si deux objets ont les mêmes propriétés, ils sont numériquement confondus et identiques. Du coup, ça a été à ce jour le premier article que j'ai écrit et j'en parle d'autant bien que je le trouve pas très bon, mais j'en connais l'auteur principal, il a été un peu corrigé, etc. Mais voilà. De la même façon, il y avait la page Minitel, mon roman parle beaucoup du Minitel, et la page Minitel, bêtement, je l'avais copié-collé un moment, et puis j'allais plus sur Wikipédia, etc. Et puis je me suis rendu compte que pendant mes 2 ans de travail, la page de Minitel s'était beaucoup améliorée, qu'il y avait beaucoup d'anecdotes soi-disant inédites dans mon bouquin qui se retrouvaient dans le domaine public. Donc là, voilà, ça m'a un peu agacé.
Donc voilà, j'ai un rapport assez intime aux encyclopédies. J'avais une encyclopédie universaliste que mes parents avaient achetée d'occasion quand j'avais une dizaine d'années, que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué, vraiment beaucoup lu. Ensuite, j'ai eu mon premier ordinateur multimédia au milieu des années 90. J'ai pratiqué un peu Encarta, je me rappelle vraiment très très mal. Je me rappelle qu'il y avait des vidéos et que les vidéos avaient une définition vraiment vraiment médiocre. Donc bref, je ne me souviens pas du moment où je suis allé sur Wikipédia pour la première fois, mais je me souviens par contre très bien du jour où j'ai compris qu'il y avait un raccourci clavier qui ferait, je ne sais plus, pas mal de supre, etc. Un raccourci clavier, une page au hasard. Et moi, ça a complètement modifié mon usage de Wikipédia, parce que je suis passé d'un usage un petit peu utilitaire à un usage plus étrange, en fait. C'est quand j'arrive pas à dormir, ça me permet de faire des grandes navigations aléatoires et d'explorer des choses jusqu'à ce que je tombe sur un sujet qui m'intéresse. Le jeu étant de bifurquer toujours de l'aléatoire vers du non-aléatoire, c'est-à-dire de trouver quand même des choses intéressantes. Voilà, je peux aussi ajouter que j'aime beaucoup Wikipédia parce que j'ai une bonne mémoire visuelle et quand je lis une page Wikipédia, je suis capable de la synthétiser très efficacement quelques minutes et quelques heures après. Donc ça, j'en jouis beaucoup. Enfin, je le dis pas du tout par vantardise, je le dis parce que autour de ça, il s'est institué une espèce de rapport bizarre que je vais essayer d'expliciter maintenant, de concurrence, genre ouais, Wikipédia, moi, je peux faire mieux, je suis écrivain, etc. Voilà. L'enjeu étant d'être meilleur et plus intéressant que Wikipédia. Je sais ce que c'est un jeu à deux débiles. En fait, je peux comparer ça à un tennisman qui s'exerce contre un mur. Le mur gagne tout le temps, c'est sûr, mais ça n'empêche pas le tennisman de faire quelques beaux coups et de progresser. Là, je ne parle pas du tout du Wikipédia réel. Hein, je parle du Wikipédia un peu imaginaire et fantasmé que j'ai, comme une sorte de mur absolu qui renverrait toutes les balles et qui stockerait de façon ultime toutes les informations de l'univers. On est d'accord que c'est pas complètement ça. Donc voilà, Wikipédia est clairement pas un projet littéraire. Mais j'ai nourri un projet littéraire un peu au cœur de l'encyclopédie ou dans un certain rapport avec elle. Quand on m'a demandé d'où venait justement l'idée de la théorie de l'information, la seule réponse claire que j'ai pu donner, c'est que la théorie de l'information vient justement de ces nuits d'insomnie passées seules avec Wikipédia, où je lisais des milliers de pages, j'en relisais des centaines, et puis au bout d'un moment, j'en lisais certaines encore une troisième fois, une quatrième fois, et puis finalement, les pages que je lisais le plus, c'était ce qui m'intéressait. Avant même de savoir que j'écrirais un roman sur la théorie de l'information, j'avais dû lire l'article Claude Shannon 5 ou 6 fois, donc sans le savoir, j'étais déjà intéressé. Petite parenthèse comme ça, je pense que finalement, on a à peu près, si on consomme du porno sur Internet, on a à peu près le même type de rapport à la femme ou à l'homme idéal. C'est a priori plutôt, pas par choix, mais en choix négatif, on voit ce qu'on exclut et puis on finit par découvrir à peu près quel est son modèle érotique privilégié. Donc voilà, donc il y a eu l'informatique, la géologie beaucoup, je m'intéresse beaucoup aux pages sur la géologie, et aux armes nucléaires, je lis tout ce qu'il y a sur les pages nucléaires, etc. Donc voilà, c'est des obsessions qui donneront sans doute lieu à des prochains sujets de roman. Donc voilà, le caractère incomplet de Wikipédia n'est qu'un leurre, la chose grandit. J'ai découvert qu'il y avait des robots qui assuraient des tâches syntaxiques élémentaires. Je ne sais plus où j'ai lu, mais que la presse sportive et la presse financière utilisent des robots pour faire des comptes rendus de matchs de 4e division slovaque ou des comptes rendus de cours boursiers d'entreprises de seconde ou de troisième zone. Donc voilà, il y a déjà des tâches automatisées. Donc on peut imaginer qu'avec ces robots, Wikipédia grandira de façon beaucoup plus rapide. Voilà, au-delà, moi ce à quoi me fait penser c'est à m'alarmer au projet d'un livre unique qui viendrait achever l'univers. Bon, de là à dire que Wikipédia est un objet littéraire, c'est pas encore évident. Alors, on n'est jamais écrivain tout seul, c'est même une définition de la littérature. Il faut un cerveau pas trop loin et plutôt disponible. Ensuite, il faut des contemporains. Dans la mesure où il y a un certain devoir de modernité, même le cas le plus extrême ou un des cas les plus intéressants de l'histoire littéraire serait le cas de Baudelaire. Baudelaire est premièrement pas du tout seul et dans un rapport constant de difficulté avec la modernité, mais c'est important quand même le fait qu'il veut quand même être un poète moderne, même si c'est compliqué. Alors du coup, il y a cette idée que c'est bien d'avoir une sorte de modèle, etc. Donc bon, on pourrait dire Houellebecq, j'écris un essai sur Houellebecq, mais en fait, le grand écrivain d'aujourd'hui pour moi, et je caricature volontairement, le grand écrivain pour moi, c'est Wikipédia. C'est le truc, quoi que je fasse, sera toujours meilleur que moi, parce qu'il n'a pas la même surface, parce qu'il n'a pas le même mode de fonctionnement, etc.
Donc, je me suis mis dans une situation psychologique un peu imaginaire comme ça, mais ça me donne un petit côté, bah, je reviens au mur de tennis. Ouais. Donc, c'est une fiction débile, mais bon, ça m'est assez utile. Voilà. Pour écrire la théorie de l'information, j'ai beaucoup utilisé Wikipédia. D'une certaine mesure, en fait, je ne l'ai ni plagié ni cité. C'est quelque chose que j'avais pensé faire au début. J'avais même pensé faire un faux plagiat, c'est-à-dire plagier un article Wikipédia que j'aurais écrit moi-même et pouvoir être attaqué pour plagiat et puis fournir des preuves triomphales en expliquant que c'était moi. Mais c'était risqué. Ce que j'avais pu mettre aurait pu être effacé, etc. Donc non, je l'ai vraiment utilisé comme un outil pour accéder à des informations de façon rapide et facile qui me faisait bien sûr déboucher sur des sites plus denses et plus complexes. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plagié un élément de structure, surtout dans la troisième partie de mon bouquin, c'est la fonction une page au hasard. La fin de mon livre a un côté catalogue comme ça, de toutes les utopies post-humaines qui défilent, un côté un petit peu finalement beaucoup trop dense d'un point de vue informationnel, et on a vraiment l'impression, et ça m'a été reproché, mais ça me gêne pas parce que c'était pour le coup clairement volontaire, on m'a vraiment reproché, on avait l'impression que j'avais mal digéré Wikipédia, que je recrachais tout. J'ai essayé justement de mimer le parcours un peu fou, comme je sais pas, ce que Pérec avait inventé pour la vie mode d'emploi, de passer d'un appartement à un appartement en mimant les mouvements d'un cavalier aux échecs. Moi, j'ai eu envie de mimer les mouvements d'un robot indexeur fou perdu dans les pages de Wikipédia, parce que c'était la métaphore de ce qui affectait mon personnage, qui était plus ou moins en train de devenir fou, face à un mur d'informations qui grandissait devant lui. Donc voilà, donc j'ai fait une sorte de plagiat analogique comme ça. Et je me représente en moi-même en position d'écrivain, en tant que, sorte de sampleur de culture, et l'idée que je n'étais pas à l'origine de la création, mais que j'étais qu'une machine à la sélectionner pour la reproduire. Alors justement, avant mon mémoire sur le fameux principe d'identité des indiscernables chez Leibniz, j'avais rédigé quelques années plus tôt un autre mémoire de philosophie, et justement c'était assez leibnizien, mais je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque. Parce que j'avais pris pour objet, enfin plein d'objets, mais j'avais pris pour objet un moment clé, la nouvelle de Borges sur la bibliothèque de Babel. Et je l'avais lu à l'époque comme un défi extrêmement fort qui était adressé à l'écrivain, que j'étais pas encore, mais que je voulais être, avec cette idée que tous les livres étaient écrits, mais qu'en plus leur réfutation était écrite, les mauvaises critiques, les critiques qui expliquaient que ces livres étaient nuls existaient, de même qu'il existait dans le texte de Borges à la fois la biographie qui m'expliquait que j'allais devenir un grand écrivain, et en même temps la biographie de moi qui détaillait minutieusement tous les échecs qui allaient faire que je n'allais pas le devenir. Donc il y a un côté comme ça, c'était bêtement, à quoi bon écrire si potentiellement tous les livres existent déjà. Bon, ce que j'ai découvert ensuite, c'est qu'en fait, Borges, à travers cette bibliothèque, ne fait que donner une dimension, une version acceptable et finalement très intuitive, à savoir une bibliothèque, de la fameuse théorie de Leibniz, selon laquelle Dieu conçoit dans son entendement la totalité des compossibles, la totalité des mondes existants, et choisit le meilleur. Donc c'est pas une doctrine spécialement tragique pour tenter qu'il y ait un architecte ultime de la bibliothèque, qui soit pas un maniaque fou, voire un singe dactylographe, parce que derrière la nouvelle de Borges, il y a aussi cette idée, mais que derrière, ça puisse être l'objet d'un assemblage, etc. Donc, ma lecture aujourd'hui, post-Wikipédia de la nouvelle de Borges, parce qu'à l'époque, je connaissais pas Wikipédia, c'est qu'en fait, Borges invente un truc génial, qui est le platonisme littéraire. Donc le platonisme, c'est une doctrine qui est extrêmement contestée, qui pose énormément de problèmes, mais qui a ce petit truc en plus, c'est que souvent, on a fait remarquer que les mathématiciens, quand ils vieillissaient, ils avaient tendance à adopter le platonisme. Donc, ils avaient un moment, les vérités mathématiques ne sont que constructions, etc. Et puis je ne sais pas si c'est paresse du cerveau ou illumination de la vérité, mais en vieillissant, on finit par accepter les thèses du platonisme. C'est souvent vrai aussi pour les philosophes, bizarrement. Donc, pour le platoniste, les vérités mathématiques ne sont pas des constructions, mais des choses qui existent réellement et plus réellement encore que tout le reste dans l'univers. Alors, le platonisme littéraire, si on transpose, ça voudrait dire que les livres du monde réel ne sont que des sélections dans un corpus absolument total de toutes les combinaisons de lettres existantes qui leur préexistent. Donc, du coup, que toute histoire n'est qu'une marche aléatoire dans cette bibliothèque un peu terminale. Donc, rapporté à une échelle humaine, le platonisme littéraire stipule que les romans sont des échantillons plus ou moins représentatifs d'une sorte de tout littéraire. C'est tout littéraire, même si ça force vraiment beaucoup l'interprétation, j'ai choisi de l'appeler Wikipédia. Ce qui pose énormément de problèmes. Par exemple, un simple problème de point de vue. Le passage de la neutralité encyclopédique au ressenti subjectif. On ne va pas dire que l'horizon de la littérature, c'est de faire de Wikipédia, et on ne va pas dire que Wikipédia, c'est la littérature en mieux. En fait, en forçant le trait, si.
Ce qui rejoint en fait une question philosophique. Est-ce que mes sensations intimes, ce qu'on appelle techniquement en philosophie les qualia, elles peuvent faire l'objet d'un discours à la troisième personne? C'est le grand débat, par exemple, du second Wittgenstein, celui des recherches philosophiques, etc. Je ne sais plus comment le débat est tranché. A priori, ce serait plutôt... Enfin bon, bref. Mais bon, moi, d'un point de vue personnel, ça ne me gêne pas qu'il existe des descriptions en troisième personne de mes processus en première personne. Je n'y vois pas de contradiction. D'ailleurs, petite parenthèse, on observe depuis quelques années un grand reflux du roman d'analyse psychologique, et ce n'est pas du tout un hasard, le grand roman d'analyse psychologique reflue, pour une raison très simple, c'est que les IRM se développent et qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus confiance à un neuroscientifique qu'à un romancier pour expliquer le fonctionnement du cerveau. Il y a un discours politiquement correct assez aberrant qui dit oui mais non, le romancier dit autre chose. Non, le romancier a des outils quand même extrêmement imparfaits, il est tout seul, on fait quand même plus confiance à un corps constitué doté de machines qui valent très cher qu'à un romancier tout seul. Il y a toute une vague comme ça qui essaie d'expliquer que Freud est précurseur des neurosciences, etc. Freud expérimentalement c'est pas très solide, donc qu'il soit précurseur, heureux hasard, comme Christophe Colomb découvre l'Amérique, heureux hasard. Mais donc, il me semble qu'il y a une vraie concurrence entre deux types de discours et que la littérature occupe souvent les portions un petit peu pré-théoriques. Et donc, du coup, il y a un horizon Wikipédia de la littérature. Enfin, moi, ça ne me choque pas en soi. C'est assez contesté, mais je le vis pas comme un drame, même si c'est douloureux. Hein, mais on voit ça, par exemple, pour la cosmologie. La cosmologie était une sorte de sous-branche de la poésie et puis devient un domaine séparé relativement rapidement. Donc voilà, c'est un débat que je laisse ouvert, cette espèce d'idée que la neutralité serait l'horizon indépassable du lyrisme. Mais je pense que c'est intéressant quand même. Donc entre les deux, il y a toute une étape intermédiaire, on va dire d'interfaçage entre le domaine du lyrisme et le domaine neutre de l'encyclopédie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, un phénomène qui a été remarqué par exemple depuis l'apparition des particules élémentaires, c'est que la science-fiction a disparu comme champ séparé. La science-fiction, elle est intégrée aujourd'hui à la littérature générale. Le fait que la science-fiction soit intégrée à la littérature générale, le fait qu'il y ait des romans qui fassent œuvre de vulgarisation, à mon avis, c'est un indice fort de la thèse un peu forte que j'avance, que du lyrisme, on passe au neutre encyclopédique. Mais il y a une autre composante, je vais finir là-dessus, il y a une autre composante que je trouve finalement encore plus intéressante dans cette idée de platonisme littéraire, parce que le platonisme dit premièrement les objets de la mathématique, les objets de la littérature existent de toute éternité, mais ça dit deuxièmement qu'ils ne sont pas du tout liés à la complexion particulière d'un cerveau, qu'ils ne sont pas du tout liés à une espèce particulière. Donc pour le mathématicien platonicien, les mathématiques sont universelles. On peut imaginer des extraterrestres qui font des mathématiques, c'est les mêmes que nous. On peut imaginer des anges qui font des mathématiques, c'est les mêmes que nous. Des robots qui font des mathématiques, c'est les mêmes que nous. À l'extrême limite, et c'est le plus loin qui a, à mon avis, été atteint par la pensée dans ces termes, c'est la proposition de Descartes qui se demande si Dieu pourrait pas faire en sorte que 2 plus 2 ne soit pas égal à 5. Mais au final, ça change rien, parce que si 2 plus 2 égale 5, ça serait applicable pour tous les mondes, pour tous les univers et pour tous les êtres qui y sont. Donc une fois de plus, les anges, les robots, les extraterrestres et les hommes auraient les mêmes catégories mentales et arriveraient aux mêmes mathématiques. Donc mon idée, c'est que la littérature, c'est un universel du même type. Petit passage historique, la théorie de l'information, qui est vraiment un truc à la base d'ingénieur qui veut téléphoner efficacement ou qui veut avoir des radars qui marchent, elle a été extrêmement utilisée dans les années 70 dans le champ des études littéraires. Le schéma de Shannon a été adopté par les linguistes et c'est un peu bizarre. Mais en fait, à y réfléchir, c'est pas si bizarre, parce qu'il y a eu un kitsch typique aux années 70 qui était, je dis un kitsch parce que c'était une grande théorie qui en fait n'était pas si sérieuse que ça, mais quoique, c'était la théorie de la mort de l'auteur. Bon, c'était kitsch dans la mesure en plus où les personnes qui prenaient la mort de l'auteur avaient des magistères très identifiés et étaient reconnus en tant qu'auteur et en tant que philosophe, donc c'était un petit peu tordu. Mais bon, cette idée de la mort de l'auteur, elle est aujourd'hui, derrière Wikipédia, il y a un nouveau truc comme ça qui se joue, parce que bon, c'est tellement distribué que finalement la position d'auteur liée à un copyright avec une autorité forte sur le texte, elle est un peu dissoute. Au passage, ce que cette époque nous apporte d'important, c'est que ça retourne justement... Enfin, en gros, Wikipédia m'a fourni une définition de la littérature très simple que je n'aurais pas trouvée s'il n'y avait pas eu Wikipédia. Enfin,
qu'est-ce que c'est qu'être un auteur ? Être un auteur, c'est au-delà du statut social, au-delà des compétences, etc. Être un auteur, c'est juste avoir une autorité très stricte sur une certaine étendue de caractère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être l'auteur d'un article Wikipédia parce que n'importe qui peut le réécrire. Par contre, moi, mon roman, si quelqu'un en change un caractère, non seulement je suis protégé par la loi qui me dit que c'est plus la même chose, mais même intimement, j'ai l'impression que si vous changez un adjectif de la théorie de l'information, ce ne sera plus la même chose. J'ai une autorité qui est très forte, quasi totalitaire, mais qui est très restreinte, qui est définie sur, ces, sur cette succession de 650 000 caractères. Donc, au-delà, c'est par exemple pour ça que je trouve que toutes les théories du roman augmenté ou du roman avec des liens hypertextes à l'intérieur, je la trouve finalement assez débile, parce que ça ne serait pas du roman. Et d'ailleurs, pour revenir à Borges, il y a une nouvelle de Borges que je trouve très bien là-dessus, qui s'appelle Le jardin au sentier qui bifurque, où Borges imagine précisément un bouquin, une sorte de livre un petit peu liquide comme ça, dont on serait le héros, où toutes les pistes narratives seraient successivement pratiquées, et en fait, la conclusion, c'est que ce bouquin est illisible. D'ailleurs, personne ne l'a jamais lu, personne ne l'a compris, il faudra enfin comprendre qu'en fait, justement, le projet, c'était ça, d'ouvrir toutes les pistes narratives. Mais c'est quelque chose de très ennuyeux. Donc, pour revenir au succès de la théorie de l'information dans le domaine des études, la théorie de l'information de Shannon dans le domaine des études littéraires, on peut l'expliquer par la simplicité du schéma qui ramène la littérature à un protocole de communication récepteur, voix, émetteur, voix, récepteur. Donc qu'est-ce que c'est que la littérature ? Ce serait un protocole de communication extrêmement simple entre instances séparées. Donc un roman, qu'est-ce que c'est ? Dans cette perspective, c'est un long message qui est spécialement conçu pour être agréable à recevoir par une entité réceptrice, mais une entité réceptrice dont on ignore a priori les goûts particuliers comme les spécifications techniques. C'est-à-dire, on écrit évidemment pour un lecteur, mais on ne sait pas, on veut stimuler le cerveau du lecteur, mais on ne sait pas comment il va réagir. Donc il y a cette espèce d'inconnu. La littérature, à mon sens, n'est que ça. Et du coup, je vais finir pour citer deux fables qui reprennent exactement cette idée et qui les mettent, je trouve, très bien en scène. C'est la première citation, c'est au tout début de La possibilité d'une île de Houellebecq, où il imagine la citation idéale d'un auteur de roman, et c'est celle-ci. Je suis dans une cabine téléphonique, après la fin du monde, je peux passer autant de coups de fil que je veux, il n'y a aucune limite, on ignore si d'autres personnes ont survécu ou si mes appels ne sont que le monologue d'un désaccès. Parfois l'appel est bref, comme si l'on m'avait raccroché au nez, parfois il se prolonge, comme si l'on m'écoutait avec une curiosité coupable. Il n'y a ni jour ni nuit, la situation peut ne pas avoir de fin. Et c'est une fable très proche de celle qu'on retrouve à la fin de Romancien, le grand roman de cyberpunk de Gibson, qui est paru au tout début des années 80. Donc Kez, le héros, un hacker, s'est fait manipuler pour accomplir un certain nombre de missions. En fait, on découvre à la fin qu'il s'est fait manipuler par Wintermute, Muet d'Hiver, qu'en fait Muet d'Hiver n'est pas un personnage réel, mais une intelligence artificielle qui s'est développée au sein du réseau qu'on appelle la matrice, donc c'est une sorte de proto-internet qui est le réseau numérique mondial. Donc à la fin, Muet d'Hiver devient autonome et engage un dialogue avec Kez. Donc je vous retranscris ce dialogue. Ce n'est pas de la haute littérature, d'un point de vue, ce n'est pas très bien écrit, mais dialogue dit beaucoup de choses, je trouve. Je ne suis plus Muet d'Hiver à présent. Alors t'es quoi ? Je suis la matrice, Kez. Et ça te mène où ? Nulle part, partout. Je suis la somme totale du bastringue, tout le bazar. Alors quel est le résultat ? En quoi les choses sont-elles différentes ? Tu mènes le monde à présent, t'es Dieu ? Les choses ne sont pas différentes, les choses sont les choses. Mais qu'est-ce que tu fais au juste ? T'es là et c'est tout ? Je parle avec mes semblables. Mais tu es le truc tout entier, tu te parles à toi-même ? Il y en a d'autres, j'en ai trouvé une. Des séries de transmissions enregistrées sur une période de 90 ans dans les années 1970. Jusqu'à ce que j'apparaisse, nada, il n'y avait rien à savoir, aucune réponse à donner. Venues d'où les transmissions ? Du système du senteur. Donc voilà, la littérature comme branche appliquée de la théorie de l'information est promise à un bel avenir, et je trouve ça assez beau et très révélateur que ce grand roman cyberpunk termine sur une communication à distance entre deux intelligences artificielles séparées par plusieurs années-lumière. Et donc, conclusion, c'est que les robots correcteurs de Wikipédia auront peut-être une belle carrière d'écrivain, on ne sait jamais.